je suis artiste plasticien et là je vous accueille dans un de mes deux ateliers à Fontenay-sous-Bois, j'en ai un autre à Paris, dans lequel je fais plutôt du stockage et du dessin, et on va dire que ici c'est l'atelier de travail où se font toutes les manipulations un peu sales. Et en ce moment je suis plutôt sculpteur, voilà, donc peut-être un terme qui me sied plutôt bien en ce moment, même si j'ai quand même fait beaucoup de choses en performance, vidéo, installation, art programmatique, voilà. Je travaille beaucoup en dessin en amont, donc vraiment du croquis. Enfin, je dessinais beaucoup étant plus jeune. Et donc du coup, ce travail de dessin est toujours très présent. Et j'ai toujours l'impression que c'est le meilleur moyen de matérialiser une idée en 2 secondes. Donc mes dessins ne sont pas du tout précis, sont vraiment jetés sur la feuille. Et puis au fur et à mesure de mes questionnements, il y a quelque chose qui revient de manière régulière, donc des dessins qui vont se répéter, et puis à un moment donné, si le dessin se répète tout le temps, c'est qu'il faut que je passe à l'action et à une sorte de réalisation. On va faire le gabarit. Juste pour que la brique soit un peu plus basse. Parce que mon béton, il va le recouvrir complètement, on ne verra plus les briques. Donc je veux juste que j'ai assez de béton pour pouvoir consolider la surface et mettre une structure derrière en polystyrène. Donc là, j'emmène le prototype, qui est un béton plein. Donc là, j'ai juste fait un petit moule avec une seule brique pour voir ce que ça rendait. On voit que l'empreinte de la brique est bien dans le béton. Et on voit l'empreinte du plastique comme si la surface était molle, alors qu'en fait, il s'agit d'une surface extrêmement rigide. Donc on en voit les qualités du béton et en même temps, on a une sorte de souplesse, comme si ce poids-là était posé sur un coussin. Du coup, j'utilise beaucoup de matériaux issus du chantier. Voilà, comme si mon processus sculptural était lié à un mode de production en cours. Parce que le chantier, c'est le bâtiment qui est en train de se faire. Et donc, on a tout un vocabulaire qui se décline, celui de la matière première, celui du tas, celui de la pelle, celui de la matière brute. D'une matière liquide, on va passer à une matière extrêmement solide, extrêmement brutale. Et ce passage-là me permet d'associer le béton à différentes formes.
Bon, bah là, c'est terminé. J'ai mis ma structure. Là, l'eau va commencer à s'évaporer. Il y a une semaine de séchage avant le démoulage. Et après, ça sèche pendant au moins un mois. Voilà, pour que ça soit vraiment stable.